paix et justesse. Nous ne sommes pas un propos d'animaux bien sevrés, mais des êtres pensants, à une forme d'amitié, à une forme de beau qui naît de nos idées. Il n'y a rien autour de nous qui ne vienne pas d'une pensée. Que ce soit une maison, que ce soit un bateau, et que dire d'un bébé? C'est ça l'humanité. Faut-il un gros avion ou peser des millions, juste pour partager ce que l'on aime créer? Moi, vous, nous avons choisi d'écrire. C'est moins long qu'un château et ça nous permet de traduire nos rêves dans des mots. Les emporter partout, sans courant, entretenir ou gadget flow dont pour mieux nous asservir. C'est cette voix du cœur qui ne sait pas l'orthographe mais signe avec bonheur ses plus beaux autographes. Faut-il s'excuser ou bien se déguiser juste pour dire bonjour sans se faire ramasser? Je n'en suis pas certain, j'en suis même convaincu, à condition de prendre soin, d'éviter les faux culs. Il suffit que l'on suive une certaine forme d'onde, et si on sent à l'heure, c'est pas la bonne longueur. Mais si on sent l'amour dans ce que l'on nous offrir, même si c'est un bonjour, il n'y a pas lieu d'en mourir. Faut-il rien déranger ou bien se la fermer de peur d'être condamné de trop de sincérité? Pas celle qui dit qu'on doit au nom d'un Dieu bafoué, non. Mais celle que Dieu donna aux âmes, la dignité. Il n'y a pas un humain qui n'ait pas fait de paix humaine, il n'y a plus d'un chemin pour lui rendre sa vertu. Et lorsqu'on y travaille, parce qu'on peut y arriver, ça vaut toutes les médailles dont on peut se passer. Faut-il s'abandonner pour se faire admirer? Moi je pense qu'à vouloir aimer, on risque d'être aimé d'une simple vérité qui est universelle. Pas celle qu'on dit qui est, non. Celle qui est parce que belle, comme un sourire, une rose, un baiser qui repose, un enfant et sa rose, un être, c'est quelque chose. Et s'il y en a certains qui dans mes mots ont pu, faut-il